Semaine, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Kikwit, vous êtes à l'extérieur du pays, vous nous suivez au Canada, en France. Nous vous disons bienvenue à votre unième numéro de votre magazine que vous aimez tant, Décryptage Info. Aujourd'hui, nous aurons l'amabilité, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, de vous parler de nos différentes actualités, mais ça sera un numéro spécial, Ninitosalité, cette chanson qui défraye la chronique de nos amis du MPR, ces jeunes artistes qui nous ont gratifiés avec cette chanson qui fait du buzz dans différents réseaux sociaux. On va en parler. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui nous est reproché en tant que citoyens? Qu'est-ce qui nous est reproché en tant que politique? Quelles sont les perspectives d'avenir pour que nous puissions permettre une certaine évolution dans notre pays? Nous allons entrevoir cela. Nous allons décortiquer cette chanson comme nous en avons l'habitude de le faire déjà. Alors, sans oublier, je vous dis déjà, je m'en vais vous dire de vous abonner massivement à votre chaîne Congo Live Télévision, une chaîne qui vous propose beaucoup d'amples événements qui vous tiennent en haleine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter pour nous dire comment est-ce que nous devons évoluer dans ce que nous vous proposons déjà comme travail. Nous en avons besoin pour s'améliorer. C'est vraiment très important pour nous. Merci beaucoup. Je m'en vais d'abord vous donner quelques informations. Le président de la République a rendu hier visite. Il était au chevet de différents rescapés survenus lors de sa dernière arrivée ici à l'aéroport d'Indjil. Nous avons vu là, il était au chevet de notre ami combattant UDPS, Junior Mutombo, et les deux autres caméramen et journaliste du journal Les Phares. Donc, le chef de l'État a effectué ces visites-là pour venir au réconfort de nos amis qui ont connu quelques accidents lors de son arrivée ici à Kinshasa. Alors, on parle là aussi de cette affaire de loi de finances qui a été déjà déposée il y a de cela 2 mois, mais jusque-là, aucun examen, aucune analyse là-dessus. On se pose la question, que veulent notre chambre basse sur cette question-là? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui cloche? Quelles sont les perspectives d'avenir? Parce que nous savons tous que la session de mois de septembre va prendre fin le 15 décembre. On ne sait pas pourquoi cette léthargie, pourquoi ces retards sur la question relative à l'examen de la loi de finances 2021-2022. Nous ne savons pas pourquoi cette léthargie. On parle aussi de ces cas où les ministères de budget parlent de beaucoup de doublons dans l'administration publique. On ne sait pas pourquoi cela, pourquoi nous arrivions à un tel problème, une telle problématique. On parle là de 49 591 cas de doublons, surnom, post-nom, matricule d'un impact de 4,3 milliards de francs congolais sur les fichiers des pays de fonctionnaires et agents de l'État. Voilà comment est-ce que nous les Congolais, c'est pourquoi ça nous amène directement à parler de cette chanson-là, Ninitosalité. Avec de telles problématiques, Ninitosalité, on se permet d'avoir un fichier avec beaucoup de doublons comme ça. Il y a des gens au bazar à salaire 2 ou 3 fois. Ils s'en plaignent pas, bazar à bango normal. Voilà, mais ce sont les premiers à dire n'étions-nous pas complices ou ne sommes pas complices? Il y a malheureusement comme le cannabis ou c'est comme ça que ça nous ouvre la porte d'analyser, de parler de cette chanson, Ninitosalité, Ninitosalité, Biso Bakongolais, Ninitosalité.
ba politique nini ba salité biso ba citoyen toza ba complicité na marambo ezo salima mboka na biso passion ezo mona na mboka na biso de partout. Nous avons voulu vraiment parler de cette question au début de cette semaine po ou fond la biso niveau nini to sengeli ko mema mboka oyo niveau nini to sengeli ko kamba mboka oyo pour parler de ces pays parce que ces pays méritent mieux de notre part. Nini to salité, nini to salité, c'est cette chanson là qui y a été sorti dernièrement, il y a de cela un jour et demi, ces jeunes artistes qui ont eu le prestige de parler de cette question. Ils ont déjà commencé à parler de questions sociales qui touchent notre pays. Hein. Ils ont commencé à parler de la question il y a de Komobali, Zala Malembe, Tambola na Kotambola na Presete, parce que la vie est sengeli komema ango na tactique. Oui, j'aime ces jeunes-là parce qu'ils sont en train de toucher la sphère sociale de notre pays. Ils parlent de questions sociales et ça, c'est une bonne chose. Ils ont parlé aussi de la question Balaboni Borbenga Osmiki. Au-delà de tout ce qui peut être dit, ce sont des questions sociales où les jeunes les lobes vivent. Aujourd'hui, au Congo, les gens se prennent le plaisir d'être appelés plusieurs fois Semiki. Plusieurs fois SMIC. Ce sont des questions sociales. Ils en ont parlé. Mais aujourd'hui, ils sont en train de parler une question purement sociopolitique. Oyo et Kaboliba congolais. Oyo et Zui succès d'une manière incontrôlable et incontrôlée. La sphère Yambo Cannabiso par rapport à cette question, il y a ni nitosalité. Ni nitosalité, c'est une question d'ordre sociopolitique où ils ont réveillé ma conscience. Il y a plus d'un Congolais où ils ont senti que toi analysant avec beaucoup de sang-froid au lieu il y a commettre ma sentiment politique n'a pas son dans mon acquis dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Bandeko et un père ils ont été instrumentalisés par un bord politique. Non, moi je dirais non, parce que nous devons pas commettre les mêmes erreurs et qui commises dans le passé. C'est pas dit que comme vous êtes au pouvoir, vous ne pouviez pas accepter qu'on vous critique. Que vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous dise que vous faites fausse route. C'est ça aussi la démocratie. Il faut permettre à ce que la vie d'une certaine démocratie est vivante. C'est pourquoi je m'en vais louer les efforts des entreprises, des entreprises dans le pouvoir. Parce qu'il y a de cela, disons, comment on a déjà dit que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en présentement, ils ne sont interpellé dans le parquet. Mais aujourd'hui, nous voyons que les jeunes prennent de plus en plus la lassitude de parler des questions sociales. C'est au-delà des questions, des chansons, les alliés, les mouvements, les gens qui ont été en boîte, tout ça, ouais, ils ont chanson à la tête. Et ça, la chanson, mais je me dis ici que ce sont des questions, des chansons où ils ont tenir Bissot en haleine, où ils ont permettre Bissot de s'éveiller en termes de conscience pour que Bissot va congoler tout le monde qui là où est allé au cannabis. Et ça, la question, et ça, la chanson où ils ont s'engagé tout le monde pour ils ont interpellé Bissot sur la marche, la bonne marche de notre pays. Au-delà, il y a des mots qui ont chaque jour un coup, maman, Simba, papa, Salaboye. C'est un peu de tout que nous entendons, que nous écoutions dans notre pays. Najibesir, il y a des chansons, il y a des mots qui ont été belés. Mais quand nos frères et sœurs, il y a un père, il y a une animation au-delà de ce qui est dit, au-delà de Père Ndeko Alèche, hein, ce sont de jeunes qui se réveillent. Ce sont des chansons que nous devons encourager. Malgré les alliés qui ont un abord politique, nous ne devons pas fustiger directement la chanson. Voilà. Parce que ce sont des chansons qui nous réveillent. Ils ont dit que ce n'est pas ça. À l'image de ce qui est dit, ni to salité, et ça non seulement qu'on interpelle la politique, mais aussi ça qu'on interpelle biso ba citoyen, ni biso ba congolais to salité. Jusque là, qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait? Ni to salité, biso ba politique, ba yo ba salité kamba mboka oyo, ni ba salité. C'est vraiment un questionnement global qui est en train de réveiller plus d'un Congolais. Bah, compatriote pour dire qu'en tant que nation, en tant que nationaliste, nini to salité pour le Congo. Congo a zotou nabiso, nini
tosali ponayete. En quelque sorte, c'est ça la dialectique. La dialectique qui s'y repose quand nous analysons cette chanson, c'est ça. Nini o biso ba congolais, oza la politique, oza la citoyen, oza la citoyen lambda, oza la mama o oza li kote ka ponu, kuna na wenza kintsuka, oza la yo cordonnier, oza li kotambola, oza la yo nchofa, oza la yo maître avocat, oza la yo analyste politique. Nini o salite pona Congo? C'est la grande question. Nini to salité, qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore donné pour notre pays? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore dit de bon pour notre pays? Est-ce que toza on a été pour la zone samboka sima? Est-ce que toza on a été pour la mboka au bon port? C'est un questionnement général, c'est un questionnement global qui nécessiterait à une certaine analyse, une certaine proportion, une certaine dose, il y a neutralité pour que tu analyses un mot avec beaucoup de sang-froid. Cette question qui défraie la chronique, ni neutralité. Dans cette chanson-là, il est dit ceci: 61 ans d'indépendance, Tozakaka coincé. Oui. 61 ans d'indépendance, Tozaka coincé. Je l'ai dit l'autre fois. 61 ans de l'indépendance, Tozu indépendance, on n'était pas bien préparé. Lumumba, on voit là, Mobutu, nous voilà nos pères fondateurs, mais Pesaki pour cette indépendance. Nous n'étions pas préparés, mais nous avons quand même arraché cette indépendance au prix du sang qui a été versé. Banamboka ba sangani, banamboka ba ndimi uyo, banamboka ba lobi non. To tiena ba divergence na biso mopandi, to sangana pour que to même mboka oyo na singa loko na ndenge esengeli. C'est pourquoi Lumumba du haut de la tribune na haut ezalaki bato bazozwa maloba. Ya ba dignitaire bazaya kozwa maloba. Lumumba dit: nous avons sacrifié, nous avons été molestés pour que to soit indépendance. Mais après 61 ans d'indépendance, où en sommes-nous? Est-ce que vraiment nous sommes fiers, sommes-nous fiers de notre pays? Tant total en Mboka na biso, lelo, en tant que citoyen, en tant que politique, tous sommes fiers de notre pays. Dites-moi un peu, j'aimerais que vous me le dites par vos commentaires. Est-ce que tant que vous êtes en Mboka oyo, tu es vraiment fier, tu es si fier de ce pays? Tu es si fier de ce que nous avons donné pour ce pays? Est-ce que nous sommes-nous fiers de ces pays après 61 ans d'indépendance? Tout ça vraiment fier. Nini obiso to pesi na mboka oyo. Pas si nini obiso to pesi na mboka oyo te. Oza la politique, pas si nini oyo pesi na mboka oyo te. Mbongo ya mboka eza po bana batanga malamu. Mbongo mboka eza po to tonga banzela. Ekoti na mabenga nani te. Corruption nini est gangrené bisoté. Qu'est-ce qui n'a pas été comme corruption dans ces pays? Made soba na epai, mais nous voulons un développement. Après 61 ans d'indépendance, je me pose la question: est-ce que le Congolais vraiment veut son développement? Est-ce que le Congolais veut vraiment à se développer, à comme appeler fier de son pays? Parce que ce qu'a bimi na mboka oyo. Alors, parce que non, j'ai un pays, je viens d'un pays. Tant que bimina mboka oyo, asa pe na capacité royeb sa bato azana bango que j'ai un pays, je viens du Congo. Je viens du Congo. Parce que vous qui êtes à l'extérieur, vous nous suivez de partout. Vous êtes à l'extérieur du pays, c'est vous. Nemuto bazara peut-être n'a pas, c'est parce que nous qui sommes ici au Congo, na ba misère na biso to mais ça non. Mais bino ba yebo wuta na Congo bo bimi libanda. Ça vous fait parfois mal de voir ces pays n'engezali, kotambola, ko voir la misère ya congolais. Un pays immensement riche, un pays avec tout est belé. Mais vous savez qu'on s'est retrouvé dans la difficulté, qu'on s'est retrouvé dans la passe de bout en bout. Ça fait très mal. Après 61 ans d'indépendance, le Congo est commis wapi. Le Congo tokomiwapi. Je ne voudrais pas parler comme honorable député Eliezer. Tokomiwapi, qu'est-ce que nous avons fait? Tokomi les sikanini. Est-ce que nous nous remettons la question pour savoir notre pays de la manière la plus vaste, la manière la plus logique? Tozali kokumba yango ndenge nini? 61 ans d'indépendance, qu'avons-nous fait de ce pays? Qu'avons-nous fait de ce pays?
Ils disent via des députés comme Elix, via des putains d'envoiements, des putains comme envoiements. Au lieu de parler des questions sociales, au lieu de parler des questions qui touchent la vitalité de notre pays, député Azali, comme Sambouan, palissade des pailles. Bah, tu peux appeler ça Bino Azali pour que permettre à Bino de se déplacer. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous donnez? Est-ce que vous légiférez comme il se doit? Je parlais ici au débit de la loi de finances. Ça traîne. Vous n'arrivez pas à l'analyser. Bosso Zelanini. Bosso Zelanini. Vous ne parlez pas des questions qui touchent les pays. La loi Nini vous proposez. Je vis une question. Honorable Boussa a déposé qui projet à loi où il faut revoir ma rambotali babaï. Je ne vais pas souffrir. Aucune réponse de votre part en tant que législatif. Député Ouvoma. Et bien, les bazar, bazo tandamana ba bistro, ah, bazo tandamana ba bivette de partout, en train de jeter la bière. Bah député. Est-ce que Moussalo Congolais et Moussalo peuple congolais atinda kibino, c'est réellement ça? C'est réellement ça. Sur cette question-là, au tozo le bela mokona mokolo. Sur cette question-là, au ba Congolais bazo soko se poser. Nous sommes tous les spectacles que vous êtes en train de donner de partout. Vous n'avez plus même la décence. Nous ne savons plus différencier entre un député et même honorable. Où résiderait votre honorabilité? Ils disent aussi, tout la tanzala, nous allons comme la mission identité. Oui. C'est pourquoi je parlais de l'autre fois. Nous allons comme la mission identité. Parce que nous n'avons pas de nouveaux paradigmes. Parce que nous ne savons pas là où nous devons amener ces pays. L'exécutif, projet Nini, gouvernement Samaloukonde, en termes, il y a qu'au lié à bas Congolais. Vous partez gaspiller plus de 7 millions. Moi, je dis que c'est du gaspillage. Quand vous partez donner de l'argent, Nanamibi, Paul Rossomba, vivre. Non, mais c'est pitoyable. Et comme quelqu'un qui m'a dit à Sexinga, là, tu te donnes à l'indier. Alors, oui, moi, Nanamibi, attends que le Congo a les lacs les plus poissonnés d'Afrique. Mais à ce cas, moi, que, bah, dirigeant, il y a Congo, bah, il y a un beau canaille pour Basomba. Poisson en Bokanaï. C'est contradictoire. C'est purement contradictoire. Vous n'avez pas de paradigme à proposer, vous. Il y a un ami Tounegui, ministre de la pêche et élevage. Il fait quoi? Azara Lissou Souté. Selon nos sources, le ministre de pêche et élevage, Azara Lissou Souté. On parle là, et serait là, de plusieurs millions dilapidés dans le ministère. Voilà. Vivement les remaniements. Bon, remanier, parce que dans ces ministères, ils ont un ministère vitaux pour notre pays. Ministère, il y a pêche et élevage. Avec toute cette terre arable de partout, nous ne pouvons pas manquer de quoi manger. Les Congolais ne peuvent pas manger le pain comme on le présente par les Libanais, les Chinois ici de partout. Lipa et Zali qui ont grammage. Lipa au soko simbiango boy miyo ke limawa. Est-ce que Congolais ko lia lipa ndenga zolia? Congolais ko lia lipa ndenga zolia? Voilà. Économiquement nous avons été affaiblis parce que le Congolais aujourd'hui azolia mikuwa o babenga mikuwa chamaïkel. Vous avez déjà vécu ça? Mikuwa chamaïkel. Comme dit Miko à Jean-Marie, mais c'est pitoyable, vous n'avez qu'à voir. Allez là-bas, vous êtes au périphérique ici, vous aurez des larmes aux yeux, vous voyez des gens manger. Biloko est signalé impropre. C'est pitoyable quand vous voyez des gens prendre ça. Ça démontre que c'est de la misère. On parle là dans la Kassai, il y a beaucoup de malnutrition.
C'est ça. Il y a des questions ici sociales. Tant aux le Belango, il faut être des passionnés débat. Ça doit nous mettre d'accord, nous tous, parce que nous sommes citoyens, nous sommes en train de vivre. Ce sont des débats citoyens. Oui, Seigneur Nicolas Moussaka et Veyarabi, ce sont le Belango. Parce que aux abord, l'amour cause à la U de PES, aux alors un bloc patriotique. Sur ces de telles questions, nous devons dépassionner les débats parce que ça rentre dans le cadre des questions sociales, des questions où ils ont simbabissé en tant que société, qu'ils ont simbabissé en tant que nation. Homme politique a la vision, c'est à l'image de ce qui est sur quel. Homme politique a la vision, homme politique ne sait pas qu'est-ce qu'il doit proposer à un citoyen, il ne sait pas ce qu'il doit dire pour que Mbokoye soit développé, il ne sait pas ce qu'il doit donner comme nouveau paradigme pour que Mbokoye soit un délibosso. Le président de la République a promis, le président de la République, pour qu'on ait un pouvoir, il a promis beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est fait? Gouvernement Samaloukonde, pour que Kota le pouvoir. Mais après, il y a 360 questions. Beaucoup de questions, on n'en parle même plus. Qu'est-ce qui a été déjà résolu? Qu'est-ce que vous avez donné comme, comme réponse déjà? C'est ça l'image que nous devons circuler. Faire circuler. En politique, à la vision T. En politique, Azopé Sanini pour ce pays. En politique, Azopé Sanini comme réponse. Il y a multiples questions. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. On parle là de Bakela Sitotangi. Bakela Sitotangi, il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais mon atangi a sidisi kelasi a joué à quel campus à quel Lubumbashi atangi ba kelasi a commis licencié en telle faculté mais azangi musala a kayi a continue ba firme na biso ba ebisayi il faut azana 5 ans d'expérience quelqu'un qui n'a jamais travaillé mais bozo senga azana 5 ans d'expérience voilà le place to komi niveau to komi yango wana. Bah, les licenciés ils sont logés dans Bandako. Au-delà de tout ce que vous pouvez dire, oh non, Barabazo Tanga bien, non. Mais que, l'État propose quoi? Parce que je l'avais dit l'autre fois, parce que vous me suivez là. Il y a des gens qui m'ont écrit. Je l'ai dit l'autre fois. Pour que l'État ait proposé bah, emploi, il faut que dans le secteur de l'éducation, l'État ait payé ça, les besoins. Besoin, les amis, vous voulez former qui? Pour quelle finalité? Quand vous allez vous former, vous allez former cause administration, et ce n'est pas administration, et vous allez faire la brèche. Pour que vous allez outil à jouer récipiendaire, il y a matière et il y a administration, vous allez ça réponse à besoin, il y a l'État, vous allez se poser. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Aujourd'hui, on parle là de plus de 200 000 récipiendaires, plus de 200 000 diplômés au Bazali Kosopana, chaque jour, Bazali Wana. Mais qu'est-ce que l'État propose en retour, en termes d'emploi? Quel est le besoin réel? C'est pourquoi le ministère d'emploi doit être en parfaite collaboration, convivance, il faut faire un macassi entre ministère et emploi, le ministère et éducation. Là, je parle là de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de l'enseignement supérieur et universitaire. Il faut, baser en collaboration, mais aussi il faut aller même de loin, là, enseignement professionnel. Il faut baser là. Scotcher, cimenter, base à la collaboration pour la qui sont niveau ni basse ni qu'on s'en a maillé pour que bataille à besoin réel de notre état de notre appareil étatique ni aux alliés besoin réel. C'est pourquoi cette chanson doit nous réveiller. C'est pourquoi cette chanson doit être un ras-le-bol général. Moutna moute sengeli de son côté a tiré les draps pour atala. Chanson et autres qu'on interpelle de quelle manière? De quelle manière? Au lieu d'en parler avec beaucoup de passion, au risque de ne pas tirer l'essentiel. Au risque de ne pas tirer l'essentiel. Bajen. Bajen batambouissi makasu. Tambalobi. Bajen batambouissi makasu. Bajen batambouissi chimokbobengi maoka bafenir. Qu'est-ce que le gouvernement propose? Qu'est-ce que le gouvernement donne comme solution? Bah PME, bah jeunes, bah zali kotambuisao, bah chayeur, bah coopérant, bah jeunes abisso, bah courageux, ils sont là. Qu'est-ce que le gouvernement? Est-ce qu'il y a un fonds existera pour Nabango?
pour leur soutenir le salaire des jeunes. Ils sont là, ils ont un tirage. Ils ont un côté bonbon, ils ont un chimbok. Est-ce que l'État a un moyen de faire le ministère du commerce, le ministère de l'économie? Ils ont un moyen de faire le soutenir de tant soit peu ces gens, ces jeunes qui soutiennent notre économie. Bazawana bazali côté ka de partout. Est-ce que il y a pas un fonds réservé pour na bango? Il y a pas un fonds. Bon soutenir bango, c'est l'État. L'État il faut y bako réguler ce secteur de l'économie pour ainsi apporter un soutien du pinge en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Ba jeune bazo proposer. Ba jeune bazo proposer. Il y a même un jeune qui a innové ici, à sali ba tablette. Il y a même l'un de nos professeurs a pessi innovation avec téléphone au capi ba kit na nyoso. Ezana na ordinateur nango, ezana téléphone nango, ezana ba accessoire nango nyoso. Mais ça c'est l'expertise congolaise. Dire que le Congolais n'est pas capable, c'est faux. Parce que le Congolais nous a montré ce qu'il est capable. Malgré les maigres moyens, Oyazanango, mais il arrive à sortir de l'eau. Mais maintenant, ce qui peut disponibiliser bah, moyen, au profit des Congolais, il sera capable de faire mieux. Il sera capable d'émerveiller le monde. Parce que quelqu'un qui est déjà dans une situation difficile, il arrive de faire de grandes choses. Ce qu'on peut dire, bah, grandes choses, il arrivera à les faire. Sciemment, il arrivera à le faire simplement. Comme quelqu'un qui a dit, faire une petite chose, c'est une petite chose. Faire une petite chose, c'est une petite chose. Mais demeurer fidèle dans de petites choses, c'est une grande chose. De la même manière, ce qui est bon, l'État congolais arrive à demeurer fidèle, à couper ça, bah moyen, dans ma petite et moyenne entreprise, bah jeno, bah déambula, kawa, bah zali koteka. Bazana courage ou à côté quand ma ya opu na ba cité na biso awa na ba coin na biso ya ba venu. Pourquoi ne pas donner des solutions à ces jeunes là? Pourquoi ne pas donner un fonds, disponibiliser un fonds pour ces jeunes là pour que permettre bango ba accroître fonds de commerce na bango? C'est ça aussi les ras-le-bol, c'est ça aussi les questionnements au ba congolais ba congolais bazali ko se poser, c'est ça. Mais de l'autre côté, ça, c'est ce que nous avons dit, ni mitosalité, ce que les politiciens n'ont pas encore fait, ce que les politiques n'ont pas encore fait. Mais il ne faut pas qu'à total à Ndemwana, tout le belaraba politique, au risque de ne pas faire une bonne dialectique. Au risque de ne pas faire une bonne dialectique. Parce que Ndemwana, ils ont qu'à interpeller la politique, ils ont qu'à interpeller Pébissou, c'est pas. Parce que le boko, tant vous allez, hein, vous allez que ça la boue, le boko, il y a que, oh, il y a sima. Et ça libère quand t'as toi en tant que citoyen, qu'est-ce que tu as donné pour ton pays au Pessinine Nambo Kanayo? L'éveil des consciences. C'est pourquoi je parle de cela. C'est pourquoi j'en appelle à tout le jeune. Nzemo, total amour. Et émerveillé, biso mato y karaté. Et caressé, biso mato yité. Mais à la révolte, pour que permettre, biso total à isou mboka oyo. N'a sens mon côté. N'a sens au tozé qui n'a rien goûté. Toi, jeune, qu'est-ce que tu donnes pour ton pays? Ninyo yo pesi na mboka na yo. Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Tu es là chaque matin, Nanzela, Kobeta Masolo et Messi, Neymar. Tu es là, Kobeta Masolo et Cristiano. Tu donnes quoi pour ton pays? Tu es là dans Nganda. Ozo Meladiamba, matin, midi, soir, Bombay, Pai. Qu'est-ce que tu donnes pour ton pays? Qu'est-ce que tu donnes pour ton pays? C'est ça. Ozo Pesa Nini Nambokao, Nini Yo Salite, Po Namboka na yo. Nino yo salina. Avant yo zela, ba pesa yo. O kangi maboko. O sa feneyo. Baninga bazo bima bazo ke ko luka mbongo. Baninga baza, chaque tongo il se réveille, il se donne de la peine pour aller chercher. Ba moussou ba teki ba mai. Ba moussou sou ba mi pesi maboko. Ba sangani. Ba komi kote ka de partout. Ba moussou ba sali malewa. Ba moussou sou ba mi pesi. Ba ote ka moua bombo. Yo sa anini jeune. Qu'est-ce que tu fais toi jeune? Qu'est-ce que tu fais, toi, jeune? On me pessine la dépravation de mers. Yohana, tu es chaque jour. Tu es chaque jour. Et alors, mon ton dimara présence dans le bistrot. Tu es là. Dans la buvette. On a qu'à sillonner différentes places
Bouyonaka, la ville de province de Kinshasa, vous allez voir comment les jeunes, bah, ça, la robe a bien l'attroupage. Ils sont de partout, bah, ils sont là. C'est comme si Balobi n'engomeli à aboé le lom kuno asuka. So si si masango auto okufa. Les gens boivent comme si demain et coco maté. Au lieu de voir comment est-ce que tu peux construire ta vie, les jeunes asawana pour na romela. Et ça na batumzu ba comment on sangana. Ba sangana ba ibi que non, semaine oyo. Il faut te dépenser autant. Non, on vous empêche pas de voir, de boire. Est-ce que comme la nabi son niveau, tu comment mener là? Est-ce que les gens sont normal? Est-ce que les gens sont normal? On s'abrutit de plus en plus. On n'arrive plus à réfléchir comme une jeunesse pouvant donner des réponses. Pouvant donner des réponses. Nini au biso to sali pour nambo kanabiso. Nini au to pesi pour nambo kanabiso. Sommes-nous une jeunesse où les gens voués? Namarambo yo zapatine. Sommes-nous une jeunesse? Oyo, basotanga lisu biente. Oyo, bah, comment on des classes pour une certaine formalité? Vous n'avez qu'à voir quand on proclame les résultats et les diplômes. N'ingé bana, basali kote tout cas. Comme on l'a dit. Mais c'est parfois pitoyable quand le parent regarde ça. Et ça, maman. On n'a qu'à voir l'image de ce qui a été circulé comme vidéo après examen d'État. Une école même est devenue célèbre parce que c'est comme ça aujourd'hui. Ma jeune Barbi, Bisso, Tobo, il conseille, Soko Lingote, Théaba, non, n'a qu'à Tandako. Théaba, non, n'a qu'à. Mais c'est pourquoi l'État, c'est pourquoi Moka est perdre ma valeur. Je l'ai lu l'autre fois. Nous sommes à l'objet d'un whisky, tomeli, yoche kombe. C'est malheureux. Vous n'avez qu'à voir la cité, comment est-ce que les embouteillages se créent, bah chauffeur. Dernièrement, on a eu un accident à Maka, c'est salami. Tout simplement parce que le chauffeur n'a pas voulu que. Azo tout a, bana bazana katamutuka. C'est malheureux. C'est malheureux. On a perdu une certaine valeur. On a perdu. La corruption est devenue monnaie courante. La corruption est devenue monnaie courante. Et ça, dans ma classe. Et ça, dans la cité. Et ça, dans la bicyclette, c'est la corruption qui gangrène notre société. C'est pourquoi je parle même ici des doublons. On parle de 49 591 doublons. Donc, ils ont un bon moment à l'État deux ou trois fois. Ils ont un bon moment à l'État bongo. Voilà, ça montre même la faiblesse de la bancarisation. On nous a chanté ici bancarisation. Mais l'État qui nous perdre 4,3 milliards, c'est des millions de dollars qui sont dilapidés comme ça. Ils ont qu'ils n'ont pas poche à Batou. Batou va zaïko se perdre dans mon amboka. Où allons-nous? Ni notre salité, ni notre salité, c'est un éveil de conscience. Ni notre salité, ils ont poussé, ils ont limité même les djalélo. C'est une jeunesse qui a été instrumentalisée. Moi, j'en appelle à la jeunesse. Jeunesse, ça, on a été pour bas, Simba, Bazoara, Okara, Okeneko marché, Okeneko papé Sarayo, moi 1000 francs, moi 2000 francs, pour que nous voyons, mais là-bas, politique. Non, soit une jeunesse qui est réponse. C'est pourquoi moi je parle d'une jeunesse plus. La jeunesse plus, c'est une jeunesse qui est réponse. C'est une jeunesse qui n'est pas question. Ce n'est pas une jeunesse question. Ce n'est pas une jeunesse question qui pose des questions. Non. C'est une jeunesse qui apporte des réponses aux multiples besoins de la société. Tout ça là-bas, une jeunesse plus. Une jeunesse forte. Une jeunesse éprise de valeur. Pouvant apporter. Maramomalam pote, mboka oyo, et tamboulandenge l'ongobani. Ni nito salité. Ninitosalité, c'est aussi une remise en question. Une ninitosalité, c'est aussi un ras-le-bol. Et permettre à Bissot, total ambo kawoyo. J'espère que ton toyo kanzemboyo et son abisso, bah, congolais et des diaspora, n'abissou tous à interne,
bana Congo, maman moko, tata moko, toi et ma nengini tu ta lambuka oyo. Pour que tu développes en gros. On n'a pas droit à l'erreur. Parce que si nous ne développons pas, si nous ne prenons pas conscience dès maintenant, nous allons sacrifier les générations à venir. Mais place Nitorocha, Imna Nabisoto et Mbara. Nous assurerons ta grandeur. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Grandeur, il y a un mot, tu auras assuré un mot, nénéni. Ce que tu as eu conscience, si coyote, pour total à mboka oyo, d'un œil révoltant. D'un œil pouvant nous pousser à réfléchir deux fois. À chaque fois que je dois poser un acte, je dois regarder l'avenir de ces pays. Salité minéza na mboka oyote. À Kinshasa, salité zanimité. On n'arrive pas à voir comment est-ce que tu vas évacuer les déchets. Mais les autres communes, est-ce que tu as un bourgmestre? Est-ce que ce bourgmestre là travaille? On nous a chanté ici Kin Bopé, toi. Kin Bopé, tu es laissé l'être mort. Babumba yango. Salité, ton dit. Nini to salité. Nini to salité. Pour au Congo. C'est même le Congo qui nous pose la question. Nini bo sali pour nangai. Au-delà de ça, nini bo sali pour na Congo, nini bo sali pour nanga. Oza la politique, oza la chayer, oza la maman te kandunda na coin. Oza la maman amale wa ya Congo. Nini to salité. Voilà. Cette émission chite déjà. Mais nous allons chiter sans parachute, au risque de ne pas nous blesser. Mais nous allons dire que Congo et Zébisonios, les Congo nous appartient, nous tous. Saisissons-nous, main dans la main, ressaisissons-nous, parce que nous avons regardé parfois pas de bon oeil ces pays. Et que chacun de nous, là où il est, à se remettre en cause, pour voir comment est-ce que nous vont développer ces pays. Notre magazine prend fin. Aujourd'hui, ça a été question de parler de cette chanson Ninito Salité, mais aussi parler de plus d'amples actualités que nous avons eu à parler tantôt. Visite du chef de l'État au chevet des malades, la problématique avec la loi de finances proposée, déjà déposée à l'Assemblée nationale. Il y a de cela des mois que ça n'a pas été examiné. On ne sait pas c'est dit à quoi ces retards, pourquoi c'est quoi, quand, sachant que au plus tard le 15 décembre, ça sera la fin de la session marquant la session de décembre. Mais au-delà de ça, nous avions dit aussi la problématique avec le ministère de budget, avec beaucoup de doublons. Au-delà de ça, le Congo a besoin de nous tous. Le Congo a besoin de nous tous dans la chanson « Ninito Salité, Ninito Opesana Mboka, Mboke Zozelani Nabiso » pour que tout développe en haut ensemble. Merci de vous abonner. Abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live Télévision. Moi, votre serviteur, Maître Cole Foster. J'aurai le plaisir de vous retrouver encore pour échanger, pour décortiquer en ce qui concerne les actualités de notre pays, en ce qui concerne les questions sociopolitique de notre pays. Votre magazine Décryptage Info sera là pour vous proposer. N'oubliez pas de commenter aussi, laissez-nous vos commentaires pour nous permettre aussi d'améliorer ce que nous donnons déjà comme service. Nous ne sommes pas parfaits, tous en a des faux nabissos, tous en a des erreurs, tous en commettre, mais vous, notre public, ne vous pouvez pas juger, vous allez vous aller copier Sabino, mon colonne, mon colonne. Merci à vous tous, vous allez bénir. J'ai dit merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à vous tous, vous alliez Bélé, vous alliez na Kinshasa, vous alliez na Kisangani, vous allez na Biso, na Ngandajika, vous allez na Biso de partout à l'extérieur du pays, on parle là de Singapour, vous allez na Biso na YouTube, vous allez na Biso na Canada, vous allez na Biso na France, na États-Unis. Vous alliez Bélé, merci pour votre indéfectible attention pour Akordaka, la magazine Nabino et Mokolo, na Mokolo. Merci pour votre indéfectible patience, merci pour votre Nino Bozo Salabiso, Bozo Salabiso, confiance de partout, Bozo Komelabiso, Tosepeli, Nandenge, Bozali, Ko. Salé là,
interactivité on a chaque jour. Merci pour tout. Togozala bino remerciant nao nyoso vous allez co fournir pour nous rester fidèles à nos différents numéros de décryptage info. Je m'en vais déjà vous dire au revoir. Botika la malamou. Nous pensons nous retrouver déjà demain pour continuer à décortiquer les actualités, toujours avec les mêmes plaisirs. Merci, bonne journée et vivez 100 ans. Merci beaucoup.